Bonsoir et bienvenue chez Palf. Bonsoir et bienvenue chez Palf. Salut Guillaume, tu fais bien ? Ça va ? Ça y est, tu fais partie de la famille ? C'est bon, c'est ma troisième vidéo, je sais donner l'intro. C'est bon, tu sais faire ça. Alors aujourd'hui, on va encore faire une vidéo qui est dans ta zone de confort. Ouais. Oui, ouais. Un petit peu. Ouais, t'as toujours tes 10 doigts, c'est bon. On va parler de Joël Andrés. C'est pour ça que j'en ai un qui est plus lourd que les autres. Ouais. Mais oui. Joël Andrés. C'est mon idée, c'est mon idole. C'est probablement mon guitariste contemporain préféré. C'est beau. Et donc voilà, quand tu as proposé de moi de pitcher des idées vidéo, je fais ah, lui, je peux en parler. Ah bah oui. On parle de Joël Andrés. Joël Andrés, c'est un guitariste canadien qui vient de Winnipeg. Une ville réputée pour les deux guitaristes incroyables qu'elle a pondus ces 40 dernières années, c'est Joey et Ariel Pausen. Il a commencé sa carrière à jouer là-bas dans des petits groupes, s'est fait la main sur beaucoup de blues, et notamment rapidement découvert, grâce à son voisin qui lui donne des cours de guitare, il me semble, Stevie Ray Vaughan et des choses comme ça. Ah oui, d'accord. Voilà, les choses assez traditionnelles. Sur le départ, en tout cas, jusqu'à ce qu'il commence à s'intéresser un petit peu au slide. Ok. Et notamment quand il a découvert qu'il partageait le même nom de famille que Sonny Landreff, alors qu'il n'y a absolument aucun lien de parenté entre les deux. Mais donc voilà, il s'est intéressé au slide comme ça, et il a commencé à faire de la musique. Il vient d'une famille de musiciens où son père est également un très bon bassiste. Son frère est un excellent bassiste. Et on va en reparler rapidement parce que c'est avec lui qu'il a monté donc le... Landreff Brothers. Voilà. Avec son frère bassiste. Voilà, c'est ça. Les Bros Landreff, c'est lui à la guitare, son frère à la basse. Et ils sont passés au travers de plusieurs batteurs, mais qui ne partagent pas encore de lien de parenté avec les deux frangins. Et donc voilà, et c'est un peu avec ce groupe-là et leur premier album qui va exploser. Le premier album qui s'appelle Let It Lie, oui. Qui est... 2015 Alors, ressorti en 2018, mais l'album est 2015. C'est ça, ouais. C'était une sortie... En gros, il y avait une sortie canadienne et une sortie américaine. Les voix étaient différentes. C'est ça. Il y avait l'accent, il y avait moins de « et » dans la version américaine. D'accord. Mais en fait, ils ont sorti l'album et ils ont commencé à le tourner énormément au Canada. Okay. Et avant d'aller se dire, ben viens, on fait... C'est un album qui est incroyable. C'est un album qui est extrêmement bien écrit, extrêmement bien dirigé du début à la fin, de la progression des morceaux, qui fait l'apogée de la grosse guitare. Pas de la guitare qui va bien se placer dans un mix compliqué. Voilà, de pénonnante et de gros sons, de gros fuzz, de textures absolument incroyables. Et en même temps, fait dans une délicatesse et une qualité d'écriture de morceaux qui est, à mon sens, a pas vraiment son pareil sur la scène actuelle. À quelques exceptions, je sais que Julien acceptera de citer Madison Cunningham, mais ce genre d'écriture de musique et de réalisation de musique qui depuis est absolument incroyable aussi, mais c'est pas de ça qu'on parle. Mais ça me fait plaisir aujourd'hui qu'on parle pas d'un vieux débris. Voilà, aujourd'hui on parle de quelqu'un qui fait de la musique actuellement. Qui est toujours théoriquement dans sa trentaine, je crois. Ah ouais ? Ouais. Il est sur la fin de la trentaine. Ouais. Il me semble qu'il arrive sur... c'est difficile à dire parce qu'il n'a pas donné son âge depuis un moment. Les vidéos qu'il a sorties cette année, il n'en avait pas tourné depuis 3 ans. Et il a dit qu'il avait toujours 35 ans. Et tant qu'à faire... Enfin, l'âge, disons, vas-y, on met ça de côté. C'est quand même quelqu'un qui sort des albums qui cartonnent en ce moment. Ouais. Et qui a une approche musicale de nos jours, avec du matos de nos jours. C'est ça. Mais quand même une empreinte blues très crade d'avant, quoi. Absolument, il a cette éducation blues au départ, mais également la manière dont il est rentré dans la guitare slide va expliquer un peu plus son approche harmonique, qui est extrêmement intéressante, parce qu'au moment où il se met au slide, il se met aux accordages ouverts également, et il a déjà le savoir, je veux dire, théorique. La gamme majeure, voilà, tout ça, il sait comment ça fonctionne et il connaît ces choses-là en accordage standard. Et au moment où il se lance en accordage ouvert,
il y avait un peu cette prise de confiance de dire, voilà, je répète les mêmes choses depuis je sais pas combien de temps. Il allait partir en tournée. Ouais. Et il a accordé toutes ses guitares en accordage ouvert. Et il a dit, je vais pouvoir transcrire sur le coup, tu vois, et commencer à faire mes concerts avec, et je prends une gratte et elle est en accordage ouvert et je me démerde. Stylé. Et voilà, et ça déjà, je pense qu'il y a un niveau de confiance et un niveau d'attitude qu'il faut quand même avoir pour gérer un truc comme ça. Mais un truc qu'on fera pas tous là. Voilà, c'est ça. Abandonné. Mais comme il disait, donc ce passage en accordage ouvert lui a fait un peu redécouvrir l'harmonie et dans une idée un peu plus gospel. Okay. Il y a un peu plus de ça derrière parce qu'il jouait également dans les church bands. Se voit à la taille de son pedalboard. Voilà, c'est ça. Il y a pas mal de choses à recouvrir. Worship musicians. C'est ça. Il a ça aussi un peu. Il a ça dans son bagage et c'est ces harmonies de gospel qu'on va retrouver mélangées au blues, au fuzz et à tout ça pour donner un peu cette recette. Et c'est ça que tu me disais tout à l'heure quand on préparait le board, tu me disais... Quoi que je joue, ça sonne religieux. C'est ça, il y a un petit peu de ça. La religion de Joey. Voilà, c'est le dieu... il est barbu aussi, donc ça passe. Ouais, ça passe. Et donc voilà. On n'a pas fait un tuto accordage ouvert, mais on a fait un tuto slide dans la vidéo précédente. Voilà. Qu'on vous invite à regarder pour tout comprendre ce qui se passe aujourd'hui quand même. Hein. Ouais, parce que ça pose les bases sur... c'est la même guitare, c'est mêmes catégories d'effets qu'on va utiliser. On est quasiment sur le board, mais on s'est un peu plus lâché. Ouais, voilà. Là, on s'est fait plaisir. On est presque sur un board complet. Ouais, mais à mon avis. Pour l'instant, on ne vous le montre pas. Vous regarderez ça plus tard. Ou alors, vous pouvez appuyer sur le timecode qui va bien, mais c'est triché. On va y arriver. Écoutez Guillaume, on va y arriver vite. On va y arriver vite. Non, faut que tu fasses une heure de blabla et ensuite ils ont le droit d'écouter des fuzz. Ok. Non, je rigole. Mais tu peux faire. Non, j'ai encore une 45 minutes de blabla. T'inquiète. Parfait. Qu'est-ce qu'il va utiliser lui pour retranscrire tout ça? Il y a eu pas mal d'évolutions dans son matos entre Let It Lie qui parce qu'il a été ressorti et donc pour revenir rapidement à cette histoire là ils se sont dit après avoir tourné cet album au Canada allez il est temps on va aller se casser les dents à Nashville, on va aller à Nashville et on va prendre notre leçon, ils vont nous renvoyer à la maison et on fera un deuxième album et en arrivant à Nashville ils ont fait quelques concerts et ils ont été signés immédiatement. On leur a dit, non, c'est bon les gars, cet album-là, il est très bien comme c'est ça. Très bien, ouais. Et ils ont ressorti, donc refait une sortie américaine de l'album et retourné l'album. Et donc il y a eu plusieurs cycles de tournée pour cet album-là et on a vu des choses assez différentes arriver. Au début, Joey il jouait énormément sur une Strat, en tout cas une Steel Strat. Donc que ce soit chez Sour qu'il a utilisé pendant un moment, il y avait beaucoup de double simple. Ok. HSS comme ça. Voilà, c'est ça. HSS et j'ai complètement oublié le terme. Ça avait commencé sur cette guitare là avant de partir plus sur des micros P90 et micro double. Qui va commencer à adopter sur le deuxième cycle de cette tournée. Okay. Et donc déjà, là, on commence à avoir un changement dans ses guitares. Et en plus de ça, le changement-là, il est accompagné avec un désaccordage encore de l'instrument. La dette là, il est en open de mi. Okay. Donc c'est ce qu'il y a de plus proche du standard en termes d'accordage ouvert. Ça sonne pas trop sourd. C'est ça. C'est quand même... Et l'album-là a été enregistré comme ça. Et pendant ce deuxième cycle de tournée, il entend un autre guitariste canadien, dont le nom m'échappe actuellement, mais qui utilise également le slide, qui utilise l'accordage ouvert, et mais qui l'entend jouer en accordage ouvert de Do. Mais donc là, deux tons en dessous. Ouais. Et là, il se dit, et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il raconte l'histoire, je me dis, oh, il est tellement canadien. Il a appelé le mec, il lui a dit, écoute, je t'ai entendu faire ça, je veux pas te voler ton truc, est-ce que je peux utiliser le même accordage que toi? Et à chaque fois qu'il raconte cette histoire, je me dis, ça c'est beau. C'est corpo. C'est une très belle personne en plus d'être un bon guitariste. C'est beau. Et donc, il lui a demandé la permission. Le mec lui a dit, mais évidemment, tu fais ce que tu veux. Et donc, à partir de là, il commence à accorder ses guitares en open de Do. Et c'est ce qu'on va retrouver à partir du deuxième album des Bose Landreth et de son premier album solo. Et
a fortiori après tous les autres albums qui sont sortis, sont, je dis pas que c'est la clé de tous les morceaux, parce qu'il utilise beaucoup le capot, et il est suffisamment capable de jouer dans une autre clé, peu importe l'accordage, mais les guitares sont accordées comme ça. Et donc c'est là qu'on voit le changement donc, de sa strat en HSS à des choses comme Mule. Il utilise les Mule Resonator, c'est un fabricant aux États-Unis qui est très connu pour ses résonateurs, ses Dobro, ses choses comme ça. Et qui a commencé pour Joey et après ça pour Ariel Posen à fabriquer des Mule Caster, donc c'est des formes de Telecaster, et les guitares sont complètement en acier. D'accord. Et ont un peu le même fonctionnement qu'un résonateur, avec des micros, voilà, ouais. je vois que... Ça me donne envie de sortir ma petite Legouée quand même. C'est très beau. Full métal. Hein. Ça me fait peur, ces choses-là. C'est quoi, ça te plairait? Alors, ouais, on n'a pas accordé comme il faut, mais... Non, mais j'essaierai ça... T'essaieras ça sur une autre vidéo. Ouais. Hein. C'est une super guitare. Vraiment une de mes préférées. Ok, donc il a des télécasters en métal. Voilà, c'est ça, avec pas mal de B-Bender. C'est le début un peu de, je dirais, de sa période d'expérimentation avec des guitares qui sont un peu moins traditionnelles. Okay. Mais tout en restant voilà, sur des setups assez simples. Hein, c'était soit double humbucker ou après ça, comme on va le retrouver, double P90. Il joue pour le deuxième album... à ce moment-là, c'est pour son album perso qui s'appelle Whiskey, qui est absolument phénoménal, où on va le voir commencer à utiliser des guitares semi-hollow, donc les Collings notamment, qui est un modèle de 335, en gros, inspiré par la 335, avec des micros doubles. Et pour en arriver après cette guitare-là, majoritairement sur ce cycle d'albums, pour le dernier album des frères des Bros Landreth et son dernier album solo, respectivement nommé Come Morning pour les Bros Landreth et pour son album solo Hindsight, et le dernier qu'il a sorti, qui mettra la pochette à l'écran, Monteur, Jean Monteur, s'il te plaît, où là, il a trouvé un fabricant canadien qui s'appelle Alex Sorokin, qui fait une guitare tous les 36 du mois, et à chaque fois qu'il a une guitare, il l'envoie dans le magasin qui est à côté de chez lui pour la vendre, mais c'est tout. Et donc, c'est lui qui a fait, voilà, c'est le top du top de... Tiens, moi je l'ai, mais toi tu peux pas l'avoir. Il essaie de se prendre pour John Mayer. Il y a un petit côté. Mais non, John, il a rendu ses PRS disponibles au monde entier. Oui. Il y a à côté, moi j'ai la clon, j'ai la blues, machin. Mais je pense surtout que Joey, ça vient du fait que ces guitares-là résonnent avec lui comme avec personne d'autre. Tu peux acheter une Sorokin, tu peux. Si t'appelles le magasin où ils les vendent dans le Manitoba ou je sais pas exactement dans quel bled il est, et que tu lui dis la prochaine fois que t'en reçois une, je veux l'acheter, ça doit être faisable. Ils sont gentils, les Canadiens, ils te laisseront peut-être faire. Mais tu sonneras pas comme Joey Landreth quand même. Après, on va pas lui jeter la pierre, on est quand même dans cette époque où tout ce qui est rare... plaît. Évidemment. On est quand même dans cette sacrée période. Hein. Et on parle de guitares qui sont faites, qui sont, que ce soit le calcul de la valeur des potentiomètres, du poids du bois qui est utilisé pour chaque petite partie de l'instrument, de la résonance, de la fréquence de résonance du bois qui est utilisé entre le manche et le machin. Il y a un niveau d'attention au détail qui existe nulle part ailleurs. Et pour cette raison. Il commence à utiliser une forme Les Paul avec des micros P90. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal quand même. C'est pour ça. Je pense qu'on est sur le bon territoire. Là, on est quand même bien. On va faire ça bien. Ouais. Et donc, pour le dernier album, une autre guitare, pas pour l'enregistrement, mais juste pour la tournée, une autre guitare faite par ce même monsieur, Alex Sorokin, qui est sa forme originale, toujours inspirée de Les Paul, mais il a eu des petits soucis avec la grande marque. Qui aime bien aller emmerder un peu. Quelque chose qui commence par Mel et Gibbs. Voilà, c'est ça. Et mais bon, après, voilà, t'as un trademark, tu le protèges, c'est normal. Mais qui a eu le problème, du coup, c'est le luthier. Le luthier. Ouais. Et qui lui ont donc demandé de plus faire ça. Et il a sorti sa forme originale qui est, à mon sens,
j'ai envie de dire, joli. C'est vrai qu'ils ont le droit de faire ça. Exactement. Ils ont le droit de se défendre. Exactement. Et si, et voilà, et après, c'est comme ça. Si tu as un trademark, une propriété intellectuelle, soit tu la défends, soit tu la défends pas. Mais si tu la défends pas, tu peux plus la défendre. Donc, c'est ça. Je comprends également. Mais il a sorti son autre guitare, sa forme à lui, et ce modèle-là est équipé de micros doubles. Donc on va retomber un peu plus sur les mêmes sonorités que ce qu'il avait avec la Collins avant ça. Un peu moins barky, peut-être présent dans les hauts médiums que tu retrouves avec des P90, okay. Mais un son peut-être un petit peu plus rond, un petit peu plus chaleureux. Mais voilà, donc pas mal de phases. Je pense que le P90, ça va être le juste milieu. Oui. Si on veut rester, voilà, parce que c'est principalement ce qu'il aurait été utilisé sur les cycles d'albums entre le premier et le dernier, en gros. Donc, oui, il est revenu à ça en fait. Voilà, c'est ça. Après, moi, ce que j'ai fait sur la Geoffrey, la Le Gouet, c'est que j'ai demandé des micros à Epcat, les California, il me semble, qui sont assez légers au niveau de sortie. J'aime pas les humbuckers balèzes. Et je trouve que du coup, ça sonne bien. Mais bon, on l'a pas réglé pour. Mais en règle générale, voilà. C'est ce que je recommanderais de toute façon, soit P90, soit des micros doubles, mais à faible niveau de sortie, c'est quelque ça. Chose qui soit voilà, PF. Les deux marcheraient bien. Ouais, ouais. Bon, Tony, on adore tes guitares, mais c'est aussi bien de montrer l'artisan niçois. Oui. C'est un copain niçois. C'est un niçois. Ah. Bon, bah, bon. Non, mais c'est serré après tranquillou, mais y a, il faut changer les cordes, faire l'accordage. Il y a un peu de. Voilà, un peu de travail. Ça va aller vite, ça va aller vite. Ça va. Les amplis, ouais, c'est la prochaine partie qui est importante. Parce qu'en fait, quand je fais un Sonecom en général, bon, là, c'est un peu différent, parce qu'on est sur quelque chose de récent. Ouais. Normalement, un Sonecom, là, je ne l'ai pas fait comme je fais d'habitude. Un Sonecom, je recherche en premier l'ampli. OK. L'ampli, pour moi, c'est l'élément le plus important, parce que c'est avec ça que je vais trouver une pédale Empino Box qui va me rapprocher du son. Ouais, je suis d'accord. C'est la première recherche que je fais. Après, la guitare, bien évidemment, ça, j'en ai plein sur Palf. On a Strat, Télé, Giro, machin. Ouais. Voilà, on a même une single cut, voilà, enfin, on a des trucs. Voilà, ah, on a de quoi faire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est ouais, savoir l'ampli. Donc ça, vas-y, je t'écoute. Alors, les amplis. Les amplis. Et c'est là-dessus que je te raconte. C'est là, ouais, et bravo. Là, ça va être une évolution assez intéressante, plus que pour les guitares, où au final, on est resté sur des trucs quand même assez tradis. Il n'y avait pas de gros changements. Les amplis, il va passer du simple au magique assez rapidement. Il utilise beaucoup de Fender. La basse, c'est Fender. Alors moi, j'ai vu donc, du Deluxe Reverb Blackface. Voilà, il y a du Blackface, c'est des amplis clean, assez typé américain, donc avec cette courbe de fréquence un peu creusée dans les médiums. Ça te laisse la place pour mettre des drives qui vont... C'est ça, c'est ça. Le but du jeu, c'est d'avoir une plateforme qui te permette de jouer après avec des pédales, et ça, il en utilise un certain nombre, donc on va... Ouais, de toute façon, c'est ce qu'il faut pour mettre des pédales. Quand c'est même. Ça, voilà. C'est ça. Donc c'est un bon geek, quand même. C'est ça va aller très très loin. Ouais. Où il va passer de ses amplis Blackface, remonter un petit peu en arrière, et un de ses amis va lui prêter un Brownface. Oui, donc un ampli à panneau brun. Il me semble qu'à ce moment-là, c'est un simple Deluxe qui s'appelle. Il s'appelle également Concert, Vibroverb. Okay. C'est toute la période entre 61 et 65, en gros. Okay. Et un ami lui en prête un, et c'est là qu'il découvre le trémolo harmonique. Et c'est avec ces amplis-là, sur une période de 3 ou 4 ans, où Fender se faisait un peu... voilà, ils essayaient des trucs, en gros. Et entre la transition de Tweed vers Blackface, ces 3 années où ils vont introduire le trémolo harmonique dans leurs amplis. Et ils tombent là-dessus, et ils tombent amoureux. Ouais, les Brownface, c'est une période particulière. C'est une période c'est très... C'est un son un peu crunché, quand même. C'est plus côté Tweed, hein. Au niveau du stack du son, on est plus côté Tweed, mais... Mais quand même, un peu moins, peut-être, de Sature. Ouais. J'en ai jamais branché, je demande, parce que... J'ai eu la chance, je sais plus, juste avant Noël, je me suis fait un kiff, je suis allé dans un magasin vintage, j'avais pas l'intention d'acheter quoi que ce soit, mais juste pour brancher des trucs, tu vois, et voir exactement de quoi on parlait. Et effectivement, ouais, on est à cheval entre le son Tweed, qui va peut-être avoir un petit peu plus d'attaque, un petit peu plus de médium, mais on commence à s'approcher tout doucement des circuits Blackface qu'on va retrouver avec le Deluxe Reverb en 65. Ok. Mais donc, avec ces amplis-là, il commence à utiliser donc un Blackface avec la Reverb d'un côté, et un Brownface avec le Trem de l'autre. Okay. Et c'est là que commence l'utilisation un peu de la stéréo. Ouais. Donc, tout doucement, on s'approche de ça, et c'est ce qu'on va retrouver sur le premier album, et je crois même son premier album solo. Okay. On était encore sur de la simple stéréo. Parce qu'en fait, du coup, il en mettait deux. Voilà.
le brown face qui va être utilisé pour son vibrato, ouais, son crunch, et le Deluxe Reverb Blackface pour le côté un peu clean ou bass à pédale, quoi. C'est, en fait, les deux sont utilisés en simultané dans ce contexte-là. Juste, où, il les met en LR à la fin, quoi. C'est ça. Juste c'est en LR à la fin. Gauche-droite, okay, avec la reverb d'un côté, le trem de l'autre, et les okay drives vont aller dans les deux. Stylé. Et donc ça, ça a duré pas longtemps, voilà, parce qu'il s'est dit, quitte à avoir deux amplis, pourquoi pas en avoir trois. Et évidemment, c'est un n'écoute réflexe. N'écoute pas ça, Julien Bitoun. N'écoute pas ça. C'est un réflexe qu'on a tous. Parce que déjà, lui vient avec deux amplis sur scène. Mais il faut. N'écoute pas ce qu'il va dire, Julien. Julien, t'as besoin d'un troisième ampli. N'écoute pas ça, Julien. il va s'acheter un van dans deux minutes. Ah, ouais, mais il faut. Un van. Il va un van, trois amplis et une table basse extra large pour le pedalboard. Ouais, c'est ça. On a changé la table basse. Et donc, ouais, c'est à peu près à ce moment-là, donc pour donc la sortie. On va parler de wet, dry wet. Ouais, voilà, à la sortie de Whiskey. Ouais. Donc à ce moment-là, les Bose Landreth ont fait une pause, il sort ses albums solo, et c'est là qu'on voit commencer le rig tel qu'on le connaît aujourd'hui arriver. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un double passage aussi sur That Pedal Show. Parce que, oh, il y a eu un quadruple, ouais, parce que là, c'est à partir de, donc, sur la Lead Light où il se rend compte, et à partir du moment où il commence à parler de trémolo harmonique, ouais, c'est fini. Et il est invité tous les ans et il y reviendra toutes les années à venir, ouais, j'en suis ça sûr. Parce que quand tu vois son White Dry Wet, c'est solide quand même. C'est vraiment très très bien fait. Et donc c'est à ce moment-là qu'on commence la transition là. Et là, pour arriver au rig actuel, je vais me concentrer sur ce qu'il utilise ce aujourd'hui. Qui est actuel, ouais. En faisant un peu omission de. Il vient de sortir un ampli signature. Pour l'instant, en live, ça, peu... voilà, en live, je sais pas trop comment ça va être utilisé, donc je vais rester sur ce que je connais, ouais, où il utilisait donc un ampli dry au milieu, donc sans modulation, sans effet temporel, sans quoi que ce soit, en général basé sur un Turok, soit TS1, soit Bloomfield Drive. Alors les Turok, je t'avoue, je connais pas les modèles. C'est quoi ceux-là comme modèle? C'est des amplis qui restent typés américains, mais qui sont peut-être un petit peu plus proches du break-up. On n'est pas vraiment sur une copie de Dumble dans le sens classique reverb avec, ouais, un ampli avec beaucoup de headroom et de, mais on est déjà sur quelque chose qui est un peu crunchy. D'accord, très bien. Et donc ça va être la base de son ampli dry, c'est ça. C'est okay l'ampli qui est au milieu et qui va pas être affecté par les effets, donc la rangée là. Oui, pour tout le monde, le dry, donc c'est le côté sec. Voilà. Donc le côté où j'ai pas mis d'effet de modulation ni temporel. Voilà. Donc je vais mettre que mes drives dans cet ampli. Et cet ampli, en général, ça va être ce qu'on appelle le centre. Mm-hmm. Enfin, ça va être l'ampli qui est au milieu front, dans celui qui est devant toi. Il va te prendre que des drives, il va t'envoyer de la grosse sature. Mm. Donc celui-ci, tu vas apprécier lui mettre des choses bien sales dans les dents. Ouais. Et lui, ouais, t'as raison, il faut qu'il soit au edge of breakup. Ouais, parce qu'il utilise ça avec les... ouais. Mais il faut qu'en fait, celui-ci, il prenne la violence, donc il soit déjà un peu pré-travaillé, ouais, de façon à ce que les autres, on n'en voit pas trop de gains, pour qu'on ait plus de la modulation et de la reverb, si je me trompe pas. Ouais, non, c'est exactement ça, à plus forte raison quand c'est fait avec les effets qui vont arriver directement dans la boucle, donc le wet dry des années 80, où ça arrive pas dans le préampli. Oui, non, là tu rentres dans le préampli. Ouais. Donc raison de plus d'avoir des pédales de gain qui restent raisonnables devant, ouais, et d'avoir l'ampli central qui, lui, par contre, il est bastonné. C'est ça. Alors moi, je te parle de manière théorique, je n'ai jamais fait ce branchement. Les seules choses que je faisais sur PALF au début, je m'amusais à faire un peu de la pseudo-stéréo. Ouais, hein. Mais wet, dry, wet, je ne me suis jamais chauffé à le faire. Le problème et la raison pour laquelle je ne t'ai pas proposé même de le faire aujourd'hui, ouais, c'est que de le faire juste avec des pédales d'effet, donc à l'unité, en comptant les P-split de Lélé, par exemple. Oui, j'en ai... Il t'en faut 4, 5 pour arriver à tripler ton entrée. Arriver à tripler ton entrée vers l'entrée des amplis. Ouais. Si tu veux utiliser des boucles d'effet en stéréo, c'est encore pire. Ouais, ouais. Et c'est un bordel. C'est un merdier pas possible. Ouais. Il faut pas faire ça n'importe comment. C'est ça. Il faut prendre le temps de le planifier. J'aimerais apprendre à le faire. Je vais regarder. Et à partir du moment où tu commences à utiliser des switchers, des trucs un peu plus compliqués, ouais, qui vont te permettre d'avoir une sortie directe avec la sortie accordeur, par exemple, d'un switcher, par exemple, ouais, et ensuite une sortie stéréo où tu peux mettre tes effets, tes modulations et tout, ça devient plus simple. Mais là, pour le coup, tu fais ça sur un board qui va rester comme il est. Ouais. C'est vrai que les switchers, voilà, moi je reviens là-dessus, j'ai reçu les Morningstar.
Je suis encore sur liste d'attente pour avoir les... Alors là, je parle fin janvier, s'il faut, d'ici qu'il y ait la vidéo, ce sera bon. Ouais. Ils ont sorti des switchers stéréo. Mm. Ça, ça a l'air mortel. C'est vraiment super cool parce qu'au final, ça te simplifie la vie. Dès que tu commences à utiliser deux amplis, après, tu multiplies les problèmes de phase, les problèmes d'impédance, les problèmes de bruit, les problèmes de tout. C'est exponentiel. Et du coup, avoir un switcher de qualité comme ça... Non, le Morningstar, c'est ouf. Ouais, non, c'est vraiment bien fait. Et moi, je vous invite à mettre en commentaire, parce que j'ai besoin de faire une étude de marché, combien d'entre vous ont un système wet, dry, wet? Donc, pour cette étude... Vous deux. Non, en fait, mettez en commentaire un truc style moi j'ai un wet dry wet, j'ai des problèmes, moi je fais de la pseudo stéréo parce que ça me suffit, moi je suis en mono et je comprends pas ce que vous racontez depuis une demi-heure. On est d'accord? Ça te paraît bien comme... Ouais, c'est parfait. Trois options, parfait. Ça me fait la petite étude de marché parce que avec Guillaume là on est en train de se pignoler. Tout à l'heure je te parlais d'un trémolo harmonique machin truc qui se split machin, avec d'un côté les basses, d'un côté les aigus. S'il faut, c'est que juste pour toi et moi, quoi. Bah, je pense, Toi et moi et Jean, deux. Gros geek. Il y en a deux, un dans cette caméra, un dans l'autre. Voilà. Donc voilà, quel est le marché là-dessus? Parce que développer une pédale pour en vendre 10... Ouais, non, mais je pense que... Voilà. Et c'est... Mais après, on le retrouve un peu dans les gens qui déjà connaissent Jurij Landreth ou Ariel Posen, qui s'alignent un peu dans les mêmes concepts. Mais c'est vraiment un guitariste pour guitariste, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, Jean-Régis, par exemple, quand on a parlé de faire cette vidéo, lui... Il kiffe ça. Ouais. Et dernier tournage qu'on a fait avec Swan, j'ai fait une vidéo justement sur les switchers. Mm. Je sais pas si elle est sortie. Et là, c'était une deuxième tentative sur les switchers. Celle-là, je l'ai trouvée beaucoup plus fluide que la première où j'étais avec Julien et qu'on était en mode ça commence à me casser les couilles. Ouais. Là, la deuxième, elle était belle. On a accepté psychologiquement de sortir un ordinateur pour faire de la guitare. Voilà. Elle était sympa, cette vidéo. Mais on n'est pas allé aussi loin. Mm. Et ce que je voulais te dire, c'est que du coup, Jean-Régis, il a considéré le fait d'avoir un switcher sur son board maintenant, ouais. En tant que fan de Joey. Il y a l'avantage, et je pense que c'est la bonne occasion d'en parler, parce que, en plus de l'avantage évident, de « Ok, j'appuie sur une pédale, il y en a 5 qui s'allument. » Ouais, ça c'est vraiment bien. Là, on part du principe que, et on va le voir rapidement, c'est un pédalboard qui est massif, qui est absolument énorme. Et s'il y a un problème de patch, s'il y a un problème d'alim, s'il y a un problème de quoi que ce soit... D'ailleurs, j'avais peur de ça quand on l'a testé. T'avais la tonne à zéro, je fais « Oh merde !» C'est quoi? Ça vient d'où? Oh, j'étais en flip. Et là, voilà. T'as remis la tonne, je fais oh. Et quand tu fais ça avec un board en série, c'est compliqué. Et en plus de ça, t'as l'impédance de 18 caps de patch et d'entrée, de sortie et de... Ouais. Ça peut poser problème. Là, ça pose pas problème. T'as vu ça? Mais ça peut poser problème. Après, bon, on a quand même des gens qui font leur propre câble. Voilà. Non, mais et des gens qui achètent 50 câbles de patch dans un sac plastique sur Amazon et qui utilisent ça. Tu vois, c'est... Ça, on sait pas. Après... Et je pense que là, dans le cas de Joey, le switcher, c'est aussi principalement ça, en plus de... Oui, c'est la sécurité. Voilà. C'est de savoir, oh, le loop-là, il marche pas. Ça veut dire que c'est un des deux câbles-là. Point. Ouais, c'est ça. Et en plus du fait, de rappeler 16 alors, pédales à la fois. Ça, et la dernière fonction, c'est que là, on est resté sur des choses individuelles, analogiques. Ce que j'expliquais dans la vidéo, c'est qu'aussi, ce qu'il a comme intérêt, lui, il a mis un Morningstar et un Gig Rig. Ouais. C'est qu'il va faire des appels MIDI aussi. Ouais, beaucoup. Et là, quand tu vois les pédales qu'il avait, j'ai vu qu'il avait une Empress Ecosystem. Ouais. Je sais plus ce qu'il avait, mais bref, c'est des choses qui, en MIDI, tu peux appeler des trucs de tous les côtés, quoi. Le Chase Bliss, que ce soit pour l'overdrive, la reverb, la CXM 1976, je sais plus le nom exact. Voilà. Il a plein d'effets qui peuvent marcher en MIDI. Absolument. Et du coup, ça t'apporte aussi le fait que ta pédale, tu vas l'utiliser en plein de contextes différents. Ouais, absolument. Il y en a qui l'utilisent comme delay, et dans la chanson d'après, il va l'utiliser comme sampler, ou il va faire des choses comme ça. Et ça, effectivement, c'est grâce au MIDI. Mais là, on part dans des... Là, c'est un niveau de board qui est... Ouais. Qui est difficile à dépasser. On est sur un board à 3 étages. Ouais, ouais. Alors, bon, on vous aura mis, je pense, d'ici là, quelques inserts de Zad Pedal Show. Mais... Ouais, ouais. Mais voilà. Et il n'y a pas tout dessus. Parce que pour son système, il lui faut aussi les capteurs X qui sont au niveau des amplis. Il y a l'AWA qui est à côté du board. Il y a l'autre fuzz qui est encore à côté du board. Il y a une époque où il avait un autre petit board à côté du gros board pour émuler une reverb qu'il avait eue dans une pièce une fois pendant qu'il enregistrait. Bordel, quoi. Et c'est... Voilà. C'est un niveau de...
d'engagement qui est pas le même. Et ça, et mais bon. Je suis curieux. Le Captor X, comment tu l'utiliserais dans le wet dry wet? Pourquoi faire? Tu l'utilises pour récupérer le signal en sortie de l'ampli de puissance et pas en sortie de pré-ampli. Ça, c'est le fonctionnement du Captor X. Voilà. Mais pourquoi tu fais ça? C'est parce que tu veux pas mettre de micro ou... Non, pour repartir avec la ligne directe dans le board en d'accord. XLR et, ça te fait ta boucle d'effet. Affecter le son après le haut-parleur, tu vois. Donc en gros, tu mettais, c'est comme ça te permettait de mettre tes reverbs et tes delays et tes machins entre la tête d'ampli et le haut-parleur. On est d'accord. Et en fait, c'est comme ça qu'il fait pour avoir des amplis sur le côté où il y a uniquement les trails de la reverb et il y a uniquement les répétitions du delay. On est d'accord. OK. Donc c'est pour avoir une boucle d'effet améliorée. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et pouvoir aller jusqu'à complètement wet et pas juste un petit peu, tu vois. Et c'est un système c'est complexe mais c'est très bien, c'est formidable. Et du coup, il n'utilise pas forcément les simules sur le Captor X, surtout s'en servir de loadbox en fait. Ouais c'est ça, c'est loadbox, c'est une sortie directe qui va dans le board et le board qui repart après dans le... Et j'ai vu dans la vidéo qu'il avait des D20. Ouais. Des rêves des vins, ouais. En même temps, tu m'as dit Winnipeg, je crois que c'est la ville de rêve. Hein. Ouais, ils sont juste à côté. Ils sont juste à côté de Winnipeg. Ouais. Donc voilà, il y a quand même un truc. Ils sont devenus copains assez vite. Après, ça reste... Joey, il est signé avec d'autres marques d'ampli et tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que pour ce système-là, le D20, c'est absolument parfait parce que tu as déjà ta sortie directe à l'arrière de l'ampli. Tu as une plateforme pour pédale d'effet qui est absolument parfaite, c'est super neutre, il se passe rien et t'en fais un peu ce que tu veux. T'es d'accord donc, que dans un ampli aujourd'hui il faudrait une loadbox en fait, pas forcément les simulations et non, tout, parce je, que mais je pense... pour moi les simulations c'est un vrai métier, c'est et ça va tout le temps évoluer, c'est ça, mais je pense dans un ampli ne serait-ce que d'avoir une loadbox pour une sortie ligne. Je pense aussi avoir une sortie XLR sur laquelle derrière tu peux mettre tes émulations et tes je pense que c'est ce serait bien sans forcément parce qu'il y a un truc qui se fait aussi beaucoup avec une sortie ligne où il y a une simulation d'ampli et qui te permet de rentrer en phase enfin dans ta carte son avec une simulation de HP celle-là. Non, ça ouais mais t'as un peu les mains liées derrière tu fais rien il faut une reactive load mais assez transparente qui derrière tu mets ton logiciel c'est ça format pédale ou ordi et voilà moi je trouve que c'est ce qu'il faudrait Je suis absolument d'accord. Ouais, on est d'accord. T'as de bonnes idées Alex. Ouais. T'as de belles idées. On en reparlera. OK bon on est parti pour spillonner hein. Là c'est sport hein. Là on s'échauffe c'est un ça peu, parce qu'on a la vidéo on ça fait déjà 45 minutes et on a juste établi les bases de ce qui va aller sur le board. Alors je pense qu'on peut envoyer un gros disclaimer donc déjà je ne sais pas jouer l'Andres, donc je n'ai pas testé ce board pour voir si j'ai retrouvé le son. Ça, j'en sais rien. Ce n'est pas suffisant, on l'a dit. Il faut faire du wet, dry wet et tout ça. On ne peut pas le faire. Et finalement, on s'en fout d'aller faire les puristes et d'aller prendre exactement les pédales qu'il avait sur son board. Parce que ça, vous allez sur Zad Pedal Show, vous les avez. Exactement. Ou sur son site, je pense qu'il doit en parler. Enfin, vous tapez sur Google. Nous, on est là quand même pour vous proposer des choses qu'on peut trouver un peu partout tous les jours et en même temps de se faire plaisir, c'est-à-dire je t'ai mis ça, ça j'en sais rien du tout si c'est le son de l'Andres, mais juste tu vas pouvoir te faire plaisir voilà. Et me dire si ça colle. Mais j'aime bien me faire plaisir en plus, donc c'est cool. Et donc finalement, là on va rentrer dans un autre format et je suis content de te faire plaisir et qu'on se fasse plaisir et que tout le monde se fasse plaisir. Dans un format un peu nouveau où finalement, juste tu vas nous dire au fur et à mesure, genre ouais ça je me vois bien l'utiliser, ou ça non. Et vas-y, de manière honnête, ça veut pas dire que la pédale n'est pas bonne, mais la question c'est, est-ce que ça fait du Landress ou pas, quoi? Ça passe en cabine, ça, je peux repartir avec. Non, mais ok, pas de souci. Tu vois, on va faire plutôt dans ce sens-là, cette fois-ci. Parce que tu m'avais fait une liste, c'était du coup une amélioration du board slide, je me suis dit, c'est dommage de remettre les mêmes pédales. Bien sûr. Viens, on s'amuse, on fait un truc délire. C'est une excellente idée. Faisons comme ça. On a quand même un étage de fuzz. Mais 5, c'est ce qu'il avait. C'est ce qu'il avait sur un album où il n'a pas trop joué de phase. Et il en avait 5. Et heureusement qu'il était calme. Et c'est ça, c'était tout doux là. 5 phases au calme. 5 phases au calme, sinon ouais. Bah alors fais-nous voir ton dry, ton clean sound. Non, je déconne, c'est un bon ampli.
J'en perds mes harmonies. Non, c'est joli quand même, même sans rien, mais ça va être mieux après. On va mettre la réverb, je pense. Hein. Hein ? Vas-y. Tout le temps. Fais voir comme ça. Je sais pas, je m'excuse ou non, s'en fout. C'est moi. C'est lui. C'est pas toi, c'est moi. Non, là, c'est on t'a mis le gros temps. C'est, ouais, histoire ouais, de s'amuser non, un petit peu, là. Voilà. Ok, j'en remets un peu, juste pour donner une idée de... Juste assez. Voilà. Juste ce qu'il faut. On est bien là. Est-ce que tu as besoin de ton délai aussi tout le long, je pense? Le délai, c'est bien, non? C'est une très belle idée. Ouais, vas-y. Un petit coup de délai. Là, on a mis la EcoRec. Édition Mountain, je sais pas quoi. Non, c'est pas écrit dessus. Non, mais c'est Mountain mais Something. Ok. Et du coup, c'est la EcoRec. C'est donc. Alors, je sais jamais, la EcoRec. C'est tête de lecture, donc c'est la EcoPlex. Ouais, ouais. C'est donc c'est bien ça, c'est la EcoPlex. Donc, écho à bande avec différentes têtes de lecture. Mmh. On s'est mis dans le mode où il y a une tête de lecture parce qu'on n'a pas envie de lire la doc. Mais normalement, ce que vous pouvez faire, si vous êtes bon et malin, vous avez des subdivisions selon les têtes d'écriture. Ouais, mais c'est comme le jazz, ça, c'est bien pour les autres. Voilà. Nous, on a mis le mode simple, on aime bien la couleur. J'aime bien. Voilà, regarde, je l'allume pendant que tu joues. Vas-y. Je pense qu'on est bien. Non, c'est cool, ça sonne bien quand même. C'est très cool. Ouais, ok. Très très cool. Donc là, c'est ta base de son. Voilà. On parlera de Harmonious Monk et tout plus tard. Ouais, bien sûr. Ok. Bon, bah, les fuzz. Alors, la Filmy, tu la connais. Mm-hmm. C'est juste que toi, t'as moins de fuzz. Ouais, probablement un peu sur les miennes, ouais. Bon, je te la mets quand même. Mais t'as raison, je vais reconsidérer le fait de mettre le potard de fuzz en façade, en vrai. Parce que toi, c'est vrai que dans ce que tu joues, là, il y avait trop de fuzz. Et ça dépend du style, hein, après. Mais dans ce que tu joues, c'est vrai que le baisser un petit peu, c'est mieux. Je me souviens quand je l'avais utilisé pour jouer ouais. Pink Floyd, par exemple, oui. Ce genre de choses, c'était parfait. Oui, c'était voilà, formidable. C'est ça. Et c'est juste des sons différents. Et à plus forte raison, quand t'es un petit peu plus grave sur le micro de manche, ouais. Tu veux un peu plus de clarté, tu vois. C'est ça. Là, il faut baisser un peu le fuzz à l'intérieur avec le trim pot. Et c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure sur ton pédalboard. Ouais.
Donc ça, on avait fait une vidéo avec le pedalboard de Guillaume. Voilà. Un peu moins de fuzz et c'est parfait pour The Slide. La Hallbender qu'on a vue aussi dans deux vidéos, je te l'ai mise en mode 3 pour s'amuser. Elle sonne toujours bien. Todd Bender, Mark Free, cette fois. Ouais, non, elle sonne toujours très très bien. J'aime beaucoup. Ça j'adore. Mais ça, c'est très très violent. C'est la tape audio co. En général, moins il y a de contrôle, plus ça a l'air propre, plus c'est sale. Exactement. Ouais. C'est une tendance. C'est une tendance. Alors, je vais régler pendant que tu joues parce que c'est assez wild. Ok. Tu sais pas trop ce qui va se passer. C'est le genre de fuzz qui casse son ampli ou. Ça pourrait peut-être casser l'ampli. Okay. Si on veut, on pourrait. Allez. Voilà, ça s'appelle une fessée. Oh. Celle-là, quand je l'ai rencontrée, je suis tombé sous le charme. Et... Oh, c'est beau. Ouais, je sais plus de quel pays ils sont, ils sont pas très loin et ils sont adorables. J'avais jamais entendu ça. Ouais, c'est une petite main. Non, c'est américain, je dis de la merde, c'est américain, je crois. Et... Non, un petit pays pas trop loin. Hein. Ouais, pas très loin, ouais, c'est ça. Non, j'en ai d'autres en tête qui sont espagnols. Ok. Mais non, eux, je crois que c'est américain. Et je pense que sur Palf, on est les seuls à faire ça dans le coin. Quand, je me suis fait hyper sur Instagram quand j'ai vu ça. Ouais. Directement, je lui ai dit, vas-y, j'en veux. Il m'a dit, bah, t'es obligé d'en prendre une dizaine parce que j'ai pas l'habitude de travailler avec des magasins et tout. Ouais, ouais. Je lui ai dit, vas-y, pas de soucis, je te fais confiance. Et... C'est mortel. C'est fou. Ça, c'est la One. La Two, elle est un peu plus starbée encore. Et elle a pas ce côté fuzz, proche de la fuzz face. Elle a plus un côté gaieté. Et les deux marchent bien ensemble. Ok. Mm-hmm. Voilà. Non, bah, j'aime énormément ce que ça fait. Je pense que... alors, pour rester un peu sur le sujet Joey Landreth et tout ça, il reste sur des fuzz relativement traditionnelles. On va retrouver le Hey 67 qu'il utilise. C'est enfin, le gros fuzz qu'il a sur le côté de son board, c'est typé Tone Bender. Okay. Son signature, c'est une variation de fuzz face. Ce qu'il utilise chez Dominion aussi, c'est pareil, c'est typé fuzz face. On reste sur des choses assez similaires, certains au germanium, certains au silicium, mais toujours avec cette espèce d'esprit, c'est sale, ouais. Mais il y a un clean-up qui à chaque fois fait quelque chose d'un peu différent. Oui. Et je pense qu'on arrive sur... Ouais, il y a un échantillonnage là qui me plaît bien, et ce truc-là, c'est... T'as vu, c'est une belle découverte. Ouais, non, j'aime beaucoup. C'est une belle découverte. J'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, j'ai adoré. Mais il faut que vous vous réveillez là-dessus. Hein. Essayez, franchement, c'est top. Ouais, non, vraiment. C'est... Voilà. Oui, j'approuve. C'est pour faire essayer. Ok. Un copain breton. Oh il, dans sa com, il a dit « toute vêtue de cuir ». Eh bé, c'est beau, en tout cas. Ouais. Je sais pas si c'est bien, mais c'est beau. Non, mais c'est breton, donc forcément, ça va. Ça va être bon. C'est suralimenté, on va voir ça. Allez, vas-y.
J'avais un peu de mal à en revenir au début. Voilà. Ça, et ben la Bretagne. Germanium. Hein. Pas mal aussi. Hein. C'est formidable ça. Phosphace ou germanium, qui est bien faite. Eh ben, ah ouais ouais, c'est super bien fait. Ouais, ouais. Le clean-up au début, j'ai cru que j'étais pas à fond sur le. Ouais, mais, fallait descendre encore en fait. Tu veux en mettre un coup? J'ai l'impression que t'as envie de. Ah ouais, juste t'as envie, coup, vas-y, ouais, on met un petit coup. Coup allez. C'est d'une clarté ce clean-up. J'ai jamais entendu ça. C'est plein d'aigus. Hein. C'est fou. C'est beau. C'est fou. Et t'as vu les quatre clean-up là ? Rien à voir. Ah ouais, non, quatre mais. Quatre sons différents, j'adore. Mais ils mettent autre chose dans l'eau en Bretagne ou il se passe quoi là ? De l'eau ? Bah oui, non, c'est vrai maintenant que tu le dis. Pourquoi faire ? Waouh ! Eh ben. Alors ça, ça m'a fait du mal, mais pour d'autres raisons. Oui, moi je trouve que là, il y a la beauté du. C'est une bête vivante. Ouais, 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 c'est ça. C'est bestial quand même. Ouais, mais alors ça, c'est magique. Ouais. Donc c'est un mec qui fait ça à côté. Il est musicien dans sa vie. Il fait des concerts. Et quand il a du temps, il fait 2-3 pédales avec du cuir. Et ben, un mec continue. Voilà. Bravo. Honnêtement, ça me. C'est un buddy effect. Buddy effect. Et Fuzzy Buddy. C'est très, très gentil comme tout. On l'a accueilli une fois sur notre stand à Paris. Okay. Et un bon gars avec qui on a passé du bon temps. Et... Ouais, ouais, non, je suis. J'espère que je dis pas une connerie en disant breton, mais pour moi, c'est breton. Hein, je suis vraiment impressionné. Je risque de me faire attaquer par. Ah bon, après, voilà, si jamais c'est pas la Bretagne. De mémoire, c'est ça. Hein. Non, mais. Bon. Et la petite dernière, c'était l'idée de Jean-Régis. Jean-Régis a de belles idées. Il m'a dit que sur un des morceaux, je sais plus lequel, Runaway Train. Runaway Train. Le train qui s'en va au galop. Runaway Train. Il y a l'octave up à un moment. Ouais, mais il y en a beaucoup. Hein. Pour la petite histoire, il a utilisé beaucoup l'argonaut de Mythos. Okay. Et après ça, un fabricant italien, je crois, qui fait pareil un octave fuzz. Mais l'idée, ouais, c'est le. Formula B. C'est le. Non. Je me souviens plus de son nom. Mais en gros, voilà, c'est l'octave fuzz avec l'octave analogique de Jimmy. Parce que de, en fabricant de italien qu'il a sur son board, la 1997, là. C'est un italien, ça. J'étais en contact avec lui. Ah, ok. Ça, c'est peut-être lui. Ok, ouais, c'est fort possible. Bon, ça, à mon avis, ça peut coller. Regarde ce que ça donne dans ta technique de jeu. Je sais pas, mais c'est une pédale qu'on adore, la Octave. Et là, c'est une édition limitée où ils ont enlevé le petit switch à la con sur le côté. Et ils ont mis un gros switch là. Et moi, j'ai celle pas limitée avec le petit switch à la con et ça m'embête. Parce que le foot switch, ça, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Ok. Ça aussi, c'est bestial.
Par contre, l'octave... Alors, même avec, moi, honnêtement, même avec le petit switch à la con sur le côté, elle sonne quand même très bien. Mais ouais, non, c'est elle est incroyable, cette pédale. Alors, j'arrive pas très... Je commence à être sourd, peut-être. J'entends pas très bien l'octave up. Non, non, non. Il est assez, c'est assez discret, c'est au final. Et en fait, c'est là, voilà. Il faut lui envoyer du préamp et il faut pas mettre trop de fuzz. Ouais, ouais, ouais. Et ça se réveille surtout au-dessus de la 12e case, c'est en mode comme Octavia. Octavia quoi. Ouais. Mais non, ça c'est très bien fait et non, très belle recommandation. Ouais, et par j'apprécie. Contre, si tu mets de côté l'octaveur, tu mets ça à blinde et c'est super wild. Ouais, 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 c'est absolument faux. T'avais des problèmes de bouchon d'oreille, c'est réglé. Hein. Quoi? c'est voilà. Le fuzz. La fuzz. Le fuzz. Je sais toujours pas. Les fuzz. Les fuzz. Voilà. C'est la solution. Les fuzz. Voilà, au moins, il n'y a pas de problème. Yep. Alors, si on laisse de côté deux secondes notre cher ami Andrés, qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Tout. Ouais. Ok. Pour des choses différentes. C'est ça. Pour des raisons différentes, alors au niveau du clean-up, il peut. On le sait. Là, dans ce cas-là, je l'utiliserai peut-être plus pour. Ouais. Ça m'a mis sur le cul. Ouais. Les deux, parce que même la manière dont celui-ci, il y avait quelque chose de vraiment, vraiment. Lui, on dirait que c'est une bête sauvage que tu peux. Ouais, t'as rien à faire. C'est ça. Il vit tout seul. Donc, ces deux phases-là m'ont fait beaucoup, beaucoup de mal et beaucoup de bien en même temps. Et je pense que ce serait plus. Voilà, parce que je suis parti de l'école où mon phase, je l'éteins pas. Ouais. Et en fonction du setup que je vais avoir, je vais plus jouer avec ça. Et pareil, avec l'Octavia et le tone de la guitare, il y a tellement de choses à faire. Parce que ta fuzz, c'est un instrument. Donc si tu l'éteins, ça va changer drastiquement. C'est ça. Et donc, le bouton de volume et le sélecteur de la guitare, je ne l'éteins presque pas. Et je pense que ces deux-là sont de bons candidats pour ça. Et je pense que celle-là passera dans plus de style. Ouais. Tandis que celle-là, c'est un peu la carte secrète. C'est genre, tiens, personne là, quoi. C'est ça. Et, mais pour le... Enfin, ouais. Là, pour le slide, en tout cas, ça marche très bien. Je me suis bien amusé. Hein, ça, c'est fou. Kissine, hein. Mais c'est un problème que je connais de la pédale là pour l'avoir utilisée pendant longtemps. Le fuzz au taquet, il marche
tellement bien. Ouais. C'est super fou. L'octave, ça va fonctionner avec le fuzz à mi-chemin pour le truc un petit peu plus... encore une fois, Hendrix, on retombe là-dessus. De toute façon, si on parle d'Octavia, ça vient de là. Moins pour ça. Ouais. Moins pour le clean-up, moins pour un peu la subtilité. Ouais. C'est quelque chose qui est plus genre... tiens, tu veux du fuzz ? Voilà. Le voilà. Et ça fait vraiment ça, c'est genre... Ouais. C'est exactement ça. Donc, je préférerais peut-être plus, si je voulais rester du côté fuzz traditionnel, utiliser le Hallbender, qui est super polyvalent, qui permet de nettoyer un peu comme il faut, mais qui en même temps a ce côté distorsion qu'on retrouve dans les fuzz au silicium. Bah, dans la version 3, en même temps, c'est très vénère. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, presque comme une distorsion, mais plus précis que ce qu'on va retrouver avec des fuzz comme ça. Voilà, c'est ce que j'en tire et je les aime tous. Ouais, c'est compliqué, ouais. Mais donc 5, c'est le minimum. C'est le minimum, ouais. Tu vas bien t'entendre avec Julien. Je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Bon, alors, moi du coup, je suis perdu parce que moi aussi j'aime tout, mais qu'est-ce que tu conseillerais le plus si tu démarres dans Joey Landress ? Qu'est-ce que tu conseilles le plus là d'avoir dans ces 5 fuzz ? Alors, si tu peux avoir un fuzz au germanium qui est extrêmement bien fait et qui va te proposer un clean-up qui est aussi bon dans les 250 et qui va fonctionner avec ton ampli, avec ta guitare et tout ça. Ça c'est cool. Dans un esprit safe, un fuzz face, silicium, tout ce qu'il y a de plus. C'est ça. Parle là-dessus. Ouais, c'est pas très cher celle-là en plus. C'est pas très cher. Ça te permet de. Ça te permet d'avoir le clean-up, si tu veux le clean-up, avec le trim pot à l'intérieur. Tu baisses le fuzz à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Faut baisser le fuzz à l'intérieur. Et ça fera absolument tout ce que tu veux pour commencer à expérimenter. Après, partir de là pour aller dans des choses plus spécifiques et se retrouver dans ce territoire-là, je pense que c'est... C'est en deuxième option. C'est ça, parce que ça, après, c'est une question de goût. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Moi il y a aussi des gens qui n'aimeront pas du tout, pour une raison X ou Y. Hein, il y a des gens qui sont malheureux dans la vie, de toute manière. Mais je pense que ça sera plus une question de goût et ça va prendre un peu plus d'expérimentation. Oui. Puis, c'est pas... En première phase, c'est pas du tout conseillé, parce que c'est très, très bizarre. Il faut savoir comment le contrôler, faut savoir quoi mettre avant, quoi mettre après. C'est ça. Et tu vas pas avoir que cette fuzz là chez toi. Enfin, moi ça me dérangerait pas perso, mais non. Il faut savoir faire la part des choses à un moment. Je suis d'accord. Couteau suisse, t'as celle-ci, t'as aussi la Hallbender qui est Hallbender qui est qui fonctionne très bien et après une classique qui marche à tous les coups, la fuzzy buzzy. Très bien. Ok, on a fait le tour des fuzz. Oui. Malheureusement. On a fait le tour. Alors t'inquiète pas, j'en ai encore peut-être 3. Moi je suis un collectionneur de fuzz aussi, t'inquiète. J'ai ce problème. Non, mais je pense que ça donne de toute façon une bonne idée de... On reste sur du traditionnel. Ouais. Dans la topologie des circuits, on reste sur des choses qui sont connues, que ce soit fuzz face, germanium ou silicium. C'est toujours assez proche. Voilà, on reste dans ces eaux-là. Et de toute façon, là, en tout cas, pour en revenir au sujet de la vidéo, pour Joey, ça va être ça. Ouais. Ça va être ça, c'est différentes variations, différentes saveurs de la même chose, au final. Oui. Et qui vont permettre de... Voilà, il y en a un qui va aller très bien pour le clean-up, il y en a un qui va aller très bien pour le micro de manche, il y en a un qui va aller très bien pour le chevalet, il y en a un, c'est juste pour les 30 secondes qu'il y a dans le morceau-là, et il y en a un... Voilà, c'est ça. Oui, il les utilise différemment. Il y en a un, il est réservé pour les solos qui n'existent pas dans les morceaux qu'il joue. Il y a un fuzz qu'il utilise, et c'est uniquement s'il veut s'amuser, rajouter un solo à droite à gauche et qu'il veut un petit peu de... Et donc voilà, après c'est... C'est ça, c'est le Joker. C'est mon fuzz de plus, si jamais. Bah, c'est exactement celle-là. Voilà, c'est ça. C'est exactement celle-là. Ça, c'est mon Joker. Tu sais, si à la fin du tournage, t'es lassé parce que je t'ai fait tester trop de belles choses, c'est genre, je te sors ça, je fais, allez. Bien sûr. Voilà. Ah, putain, c'est beau. Mais donc, voilà, dans l'esprit, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Ok. Alors, compresseur, on a remis un Origin Effect. C'est très bien. Le Cali 76 Stacked. Ouais. C'est la nouvelle, je crois. Hein. Ouais. C'est la toute dernière. C'est ça. Alors, celle-là, par contre, je ne l'ai pas testée. Moi non plus. Et ben voilà. Donc, Stacked, encore deux cellules. Je présume. Le contrôle est différent parce que là, on a deux ratios différents. Pas de ratio, mais de attaque release. Voilà, c'est ça. Bon, on lit la doc. Donc, en fait, apparemment, le flou nous permet de donner le niveau de sortie du premier bloc de compression dans le deuxième. Le in et out, ils vont nous permettre de faire saturer un petit peu. Mm-hmm.
On va se mettre en full wet, histoire de bien l'entendre. Okay. Et déjà, juste comme ça, ça donne quoi? D'après ce qu'ils disent, je t'ai mis un clean overdrive. Alors, j'ai enlevé la savage pour voir. Ouais, mais j'enlève tout. J'ai tellement peu l'habitude de jouer avec un compresseur que le sustain là, ça me tue. Moi, c'est tellement long. J'ai l'impression de pas avoir le contrôle dessus. C'est ouf. Mais c'est dingue. C'est trop fou. En fait, ça marche vraiment bien, quoi. Ah oui, celui-là, il compresse bien, ouais. Ouais. Alors, bon, le slide rig compressé, ouais, mais compressé un peu. Là, c'est vénère. Là, c'est fou. Ouais, mais ça marche bien. Le sustain, j'avais l'impression d'avoir un drone. Ouais, d'avoir un drone et de faire ce que je voulais en dessous. Et c'est... ça marchait. Ouais. Ça, c'est impressionnant, quand même. C'est vraiment fou, ouais. Il a beaucoup utilisé Origin Effect, il a utilisé le slide rig, il a utilisé le Kali 76, et d'autres compresseurs. Après, comme je le disais dans la vidéo pour le slide, c'est pas nécessairement ce que je recommanderais, ouais, en premier. Je pense que les étages de gain et la manière dont les modulations vont être mises les unes dans les autres, ouais, importera plus que ça. Okay. Même si, au final, pour aller du côté Sony Landreth, Rycooler et tout ça, le compresseur et le double compresseur, a fortiori, c'est oui, ce qu'il faut, quoi. Oui, oui, c'est ça. Après, bon, là, t'as senti que tu maîtrisais plus l'instrument, mais il n'y avait, ouais, pas l'effet de pompe dégueulasse. Ouais, non, c'est ça qui était sûr. Bien. Ça, c'est sûr. Moi, je trouve que c'est bien réussi. Après, il faut avoir besoin d'un compresseur. Mais c'est vrai, quand on te demande le gros sustain... Bien sûr, là, ouais, vois, ouais. Hein. Non, et puis même, la manière dont c'est... Voilà, moi, c'est personnel. Je n'utilise pas de compresseur parce que j'ai l'impression de ne plus être en charge de ma dynamique. Et ouais, de... et y a... voilà, c'est une question d'habitude aussi. Mais, ouais, mais là, dans le contexte actuel, c'est vrai que Joe utilise un compresseur ou a utilisé un compresseur. Ouais. Donc, il faut le mentionner. Et celui-là est très bien. Oui, il y en a, voilà, plein. En fait, Kali 76, je crois que c'est une gamme de compresseurs. Ouais, ouais, ouais. Ils en ont plein. Il faudra bien trouver le bon pour vous, quoi. Allez faire un tour sur page.fr. Alors, je te remets la Savage, la Catalin Bread, la Element. Et on va passer à la Juliana. Quelle est l'utilisation du vibrato? Alors, je t'ai mis la Juliana plutôt que la Emperor que tu m'avais demandé. Parce que de toute, oui, façon, je n'ai plus d'Emperor, ils n'arrêtent pas d'avoir des reliquats, c'est un peu galère d'en avoir en ce moment. Mais c'est très bien, moi j'utilise la Julia. Moi aussi d'habitude la Julia, mais comme l'Emperor est un tap tempo, je me suis dit peut-être que je vais te mettre la Juliana. Je m'en suis jamais servi. Alors il utilise l'Emperor, dernièrement il utilise l'Emperor, l'utilisation du vibrato dans son rig, ça date des deux derniers albums seulement. D'accord. C'est un truc qui n'était pas là avant, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il l'utilise, et je pense qu'on peut peut-être le mentionner même au même moment, ouais, c'est qu'il l'utilise en parallèle du trémolo. En parallèle. Et pas physiquement. D'accord. En parallèle, oui, mais il l'utilise avec, okay, et il l'utilise dans la même manière. D'accord. Et ça veut dire que et c'est pour ça que je m'amusais au début de la vidéo à avoir toute la rangée d'allumer, toutes les modulations, tout ça, parce que c'est un truc qui fait énormément, c'est utilisé de manière très subtile, et t'entends à peine cette modulation de la hauteur de la note, mais c'est là. Et il y a un truc, okay, qui... et je trouve que c'est vraiment super intéressant. Donc là, les réglages super conventionnels, on est côté vibrato, ouais, peu d'utilisation de chorus, mais on est complètement sur vibrato avec ouais, des sinus, des réglages... Ok, vas-y, fais écouter. Basique et...
La première fois que je l'ai tapé, j'avais pas fait exprès. Non, non, mais ça rendait bien. C'était moi, j'étais content. Alors, j'ai vu que tu l'avais réglé un peu rapide. Je me suis permis de taper. Ah ouais, ouais, non, mais ça, y a pas de souci. Encore une fois. C'est très léger, le depth. C'est super léger. On peut le rendre. Et là, c'est là qu'on va voir la différence avec le rig en wet, dry, wet. Ouais. C'est ça. Parce que là, c'est dans un seul ampli, on veut pas noyer l'ampli, je veux pas que mon trem derrière il récupère une note qui soit fausse. Ouais. Donc c'est vraiment dans la subtilité. Une fois qu'on passe sur un rig, ne serait-ce que wet dry ou wet dry wet, ouais, ça va te permettre d'augmenter l'intensité à fond dans les côtés qui seront affectés, sans forcément perdre la définition que tu as avec l'ampli du milieu. C'est exactement ça. Après, on peut s'amuser à voir quand tu pousses. En tout cas, c'est pas très très joli là, de pousser à fond le depth. Non, non, non. Mais en plus, le vibrato, c'est un peu mal de mer. Ouais, quoi. C'est malaisant. Ouais. Merci pour la Juliana, leur fait ce test là. Bon, moi le vibrato c'est un effet que j'utilise aussi, j'aime bien. Léger comme ça, c'est très bien. C'est ça, un common effet de mix. Ouais, je veux pas que ce soit malaisant, et à plus forte raison si c'est pas le seul effet. Là, en plus, on l'envoie dans un délai dans une reverb et on s'apprête à l'envoyer dans un trémolo harmonique. Ouais. Donc, on parlera de la protine après. Ouais. Ouais, tu penses? Ouais, okay. Vas-y, alors, trémolo harmonique, vas-y, fais-moi rêver. Faire ça. C'est quoi le but pour toi là? Le trémolo harmonique, c'est mon effet. C'est plus beau, merci. C'est plus beau, voilà. Bonne journée. C'est mon effet préféré parce que c'est une modulation qui si tu fais pas vraiment attention, est pas là. Elle n'existe pas. Il y a cette compensation entre la modulation des basses et des aigus fait que t'as cette impression de mouvement, cette impression d'air, cette impression qu'il y a quelque chose qui se passe, mais sans qu'il y ait de modulation de volume perceptible. Et je trouve que c'est absolument magique. Que ça donne une dimension au son de l'instrument qu'aucun autre effet ne donnera. Et c'est pour ça que je ne l'éteins pas. Elle va rester allumée. D'accord. Et tout le reste ira dedans et ce sera beau. C'est vrai que la sensation de mouvement dont tu parles, le trémolo harmonique, tu peux ressentir un côté vibrato, tu peux ressentir un côté rotary, ouais, un côté vibe. C'est ça, si tu le pousses à fond, c'est une vibe. Tu peux ressentir tout ça. Et c'est un bel effet, là. Je me suis beaucoup penché dessus quand on a sorti la Edges. C'est un beau, beau projet, le trémolo harmonique. Alors moi, l'Harmonious Monk, tu vois, j'ai jamais eu un coup de cœur. Je préfère la Monument. Je suis d'accord avec toi. Suis d'accord avec toi. Le truc de la Monument, c'est qu'elle fait, beaucoup de choses. Elle fait beaucoup de formes d'ondes. Elle fait beaucoup de... Mais voilà, c'est juste chiant pour ça. Et voilà, elle s'arrête pas nécessairement sur une forme d'onde qui a été modulée après... modelée après un ampli en particulier. C'est ça. Et c'est pour ça que Joey, qui a utilisé la Monuments pendant longtemps, est passé à l'Harmonious Monk avant de passer au vrai trémolo harmonique à lampe. C'est parce que celle-ci, elle est vraiment là pour faire le trem harmonique vintage. D'accord. Elle ne va pas proposer d'autre chose. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, sur mon board, si j'ai un trem harmonique, jusqu'à maintenant, c'était la Monuments que j'aime beaucoup. Mais celle-ci, voilà, elle fait... un truc, elle fait une forme d'onde. D'accord. Et elle fait cette forme-là très bien. C'est un peu triangle, il me semble, non ? Un petit peu, ouais. C'est pas aussi régulier que ce qu'on va avoir avec les... Parce que c'est... en plus, celle-ci, elle est analogique. Ouais. En comparaison à une Monument qui va proposer... qui est pas complètement analogue. Peut-être qu'elle est pas complètement, on sait pas. Je sais plus. Ouais. Je sais plus. Peut-être les deux. Parce que nous, la Edges, par exemple, il y a un contrôle numérique d'un circuit analogue. D'un circuit analogue, ouais. Donc... moi, en vrai, c'est pas pour vendre ma crèmerie, mais j'aime beaucoup le son de la Edges. De toute façon, on a une vidéo, tu vas l'essayer. Ouais. Là où ça n'a pas été un méga succès commercial, c'est que tu as déjà le préamp et tout ça, c'est cool, ça sonne bien, mais c'est vraiment l'interface d'un trémolo harmonique. Il y a tellement d'options que tu peux développer en tant que concepteur que nous, le retour qu'on a eu dessus, c'est qu'elle est parfois un peu complexe à maîtriser. Mais sinon, en termes de son, tu peux choisir les formes d'ondes, tu peux choisir tout ça. Et tu as même une détection d'attaque. Ouais. Je trouve que c'est un truc qui marche bien sur les trémolos harmoniques. Ouais. Mais ce qu'on n'a pas, c'est le mode passé d'harmonique à standard. Ouais. Ça, c'est cool. C'est une bonne option parce que c'est pas... Une fois que tu as réussi à avoir un truc harmonique, avoir l'option standard derrière, c'est... Et
ça te permet d'avoir tes deux effets en un et de vendre ça. Voilà, pour gagner pour plus tard. Mais moi, le Vulture, j'en ai en mode, c'est un harmonique et puis basta. Ouais, non, mais je suis d'accord. J'apprécie ce... Ouais, tu vas voir. On fera le comparo. Bon, vas-y, fais-nous écouter. Je voulais pas en faire trop, justement, pour essayer de permettre d'entendre de la modulation, parce que le problème, c'est que c'est le genre d'effet où je vais commencer à mettre du slide, à mettre des hammer-ons, à faire des choses comme ça, et il disparaît un peu. Ouais. Il est là, et il y a toujours cette dimension derrière, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus difficile à entendre que sur un bel accord, ouais. Bel accord ouvert comme ça. Et donc, ouais, moi, c'est comme ça que je l'utiliserai, en tout cas. C'est en grande partie comme ça que Joey l'utilise, et tout le temps, partout. Et fais écouter avec le slide justement à fond, c'était à fond du slide. Permis de rajouter la Julianne. Ah oui, merci. Avec le slide, c'est vrai que ça gomme tout. Il y a cette... parce qu'il y a beaucoup plus de bruit parasite aussi, et du coup, t'es plus facilement distrait avec... T'as le bruit du slide, t'as le bruit des cordes qui ne devaient pas être touchées par le slide, t'as des choses comme ça, et en plus de ça, après, tu restes sur un effet qui n'est pas... sur un jeu qui n'est pas frété. Ouais. Et donc, t'as déjà cette espèce de... T'es déjà dans d'autres fréquences. Je sais pas trop comment le décrire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est mais t'as des... qui change. Voilà, et c'est pas aussi parfaitement délimité que ça, où tu vas... Et avec un jeu comme ça, la modulation qui fait blop-blop, tu l'entends un petit peu moins. Ouais, je comprends. Et ben, ça rend super bien avec le slide, en tout cas. Je trouve ça magique. Ça, avec un poil de vibrato, juste pour te faire dire « Attends, je suis bien accordé, là ?» C'est bon, t'inquiète, ça ira. Parfait. Bon, il nous reste la petite dernière. Celle-là, elle va me faire du mal. Je sais que celle-là, il y a 4 chances sur 5 que je reparte avec. Ça va aller. J'ai pas le tarif en tête, mais ça coûte cher. Non, mais on t'inquiète. Voilà. Moi, je vais vendre des pédales dans la description ci-dessous. Non, je déconne. C'est une réelle maladie. Tu sais, sur le plateau, j'en ai quelques-uns, ils l'ont accepté. Mm-hmm. Les intervenants sont payés quand même par rapport au travail qu'ils font, c'est normal. Et j'en ai, par contre, genre Antonin, le bassiste, je ne l'ai jamais payé. Ouais. À chaque fois, il repart avec plus de pédales que... C'est incroyable. Honnêtement, je comprends. Après, moi, je sais que tout ce que je fais sur YouTube, toutes les démos et Insta et machin, les gens qui me contactent demandent, tu prends combien par vidéo? Bon, c'est par rapport à mon niveau aussi. Je sais très bien que les YouTubeurs qui feront une démo de 20 minutes sur un produit, ils vont dire, je prends tant par vidéo parce que ça me prend tant de temps. Moi, c'est bâclé. donc je dis au gars, écoute, non, moi ça me fait plaisir, je prends la pédale, merci, bonsoir, et je fais mes vidéos. Jusqu'à présent, c'est ce que tu nous as proposé pour les vidéos, je trouvais ça très élégant. Après, ça me fait pas non plus dévaloriser le travail. C'est ça, et c'est par rapport à ma qualité de production, à ce que moi je fais, je peux pas me permettre de demander 500 € ou 1 000 € par vidéo alors que je me filme avec mon iPhone, que ma vidéo elle est montée par un enfant de 3 ans et demi. C'est pas vraiment un enfant, c'est moi. Je n'emploie pas d'enfant. Pas officiellement. Je peux que ce soit clair, même officieusement.
C'est clair. C'est parce que pour l'instant, j'habite pas en France, mais je veux pas que les autorités viennent me chercher parce que. Non, mais voilà, voilà. Bonjour monsieur, rendez les pédales. Faut être honnête par rapport à ta propre qualité de production aussi. Moi, j'en suis pas là, et donc c'est un plaisir juste d'essayer des pédales parce que ça me passionne et pour ça. Mais donc. La protein. La protein. The Brown Amplification. Un côté, dis-moi si j'ai de la merde, un côté blues breaker, un côté ODR. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est tel et tel côté. Ouais. Parce que la LED là, elle est verte. Donc celle-là, elle est bleue, blues. Oh là 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 le là bleu là de blues là. Et le vert de Nobles, peut-être. Ouais. Hein, j'aurais jamais fait ça sur mes pédales, mais oui. Honnêtement, moi, c'est comme ça que je le vois. Si c'est pas ça. Non, mais t'as bien interprété. Je veux dire, les couleurs, de changer les couleurs de LED. Ah ouais, c'est une erreur esthétique, genre. Wow. Ça, faut en allumer qu'une, juste une après l'autre. La petite histoire rapidement, c'est en masterclass à Bordeaux. Mm-hmm. Quelqu'un qui me dit, tu connais pas Brown Amplification? Je dis, non. Essaye. J'ai acheté tout le stock. Non, mais c'est. Bon courage. Voilà, c'est tout. Je te l'active pendant que tu joues. Bon courage. Merci. Vraiment bon courage. Voilà, voilà. Bon, pendant que Guillaume réalise qu'il va craquer son PEL, on va commencer à faire un petit toutes les pédales. C'est important. C'est ton premier toutes les pédales, Guillaume. Mmh. On le chante ensemble, on est obligé. Avec ma voix, là, ça va être génial. Tout. Attends, je connais pas le morceau. Ah, mais t'inquiète, il n'y a rien à faire, il y a juste un. Toutes les. Thank you.
Alors, honnêtement, je suis impressionné que ça ait fonctionné pendant aussi longtemps. De bah, le son. Le, en général. Tu voulais que ça fume? Ouais, je pensais qu'il y a un truc qui allait péter, honnêtement. Tu vois les bandes bleues, là? Tu vois, ouais. Les rubans? La waveform, c'est juste un bloc bleu sur ouais. Le micro-voix. C'est beau. Bon, merci pour cette introduction à Joël Andrés. Merci à toi. On s'est bien amusé. Ouais, je sais pas si eux, ils ont appris quelque chose sur la fin, mais on a fait notre mieux. Retenez le nom, c'est tout. Honnêtement, même si rien d'autre dans cette vidéo n'avait servi à quoi que ce soit, retenez le nom, mettez-le dans Google et remerciez-nous. Ouais, si en plus de ça, on a pu vous donner un conseil ou deux sur quelle pédale choisir, tant mieux. Sinon, bah, moi, je me suis amusé. Ouais, moi aussi, je me suis amarré. Le monteur va s'amuser voilà, aussi. Ouais, je pense. On en est sur 2 heures de rush, je pense. Oh, pauvre monteur. Ouais, désolé. Ouais. À la semaine prochaine. Salut.